它有一个那个，就是你的 iPhone 它可以记录就是运动多久。它就每天上传到 Nike 的那个网。Salut Henri, Nicolas Cro, pardon, j'ai dévoilé ton identité. Il y a une quoi? Une bombie? Ouais, la momie, ouais. Elle faut lutter contre le soleil. Hein. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Les chiens taïwanais. Donc, je recommence pour la troisième fois. Nous sommes à Pingling, au sud de Taipei. Et nous allons dans les jardins de thé. Oh putain, comment ça monte! Les jardins de thé de Lao Tizi. Donc ça, c'est le nom de sa boutique. Je connais pas le nom du monsieur, qui est quelqu'un de très sympa. Donc il nous a mis dans un camion, comme des travailleurs immigrés. C'est vrai? Et on est dans un paysage grandiose. La montagne, ça vous gagne. Hein. Là, il pourrait faire une pub pour Taïwan. Oh, trop beau. Thank you.
souviens plus trop de la route, mais je me souviens pas que c'était par là. Je serais souvenu du paysage, quand même. C'est pas du tout, du tout. Ouais, des cactus, non? Non, je sais pas, on dirait des... Aucune idée. Ah, on s'arrête là. Pas trop beau, bon, 6 minutes 40, peut-être m'arrêter là. C'est quand même super beau. Hein. Ah, les nanas qui cueillent le thé. Elles sont toutes là. Avec leur truc pour le thé. On va s'arrêter ici, je pense. Ouais, t'as vu ça quand elles sont habillées? Ils se protègent du soleil. Bah ouais, mais l'important c'est de pas bronzer, tu sais bien. Bah je pense que transpirer, bah c'est moins. C'est moins grave que de bronzer, tu sais, parce qu'après c'est social. Hein. Si après t'es traité d'aborigène. Non, mais c'est vrai, hein, c'est tellement important à leurs yeux. Enfin, je sais pas, moi j'en ai laissé comme ça, mais j'en sais trop rien dans leur tête, parce qu'ils doivent pas tout dire. Mais... Voilà. C'était les jardins de Lao Tzu à Pinmin.